Okay, now let us have a look at this one. Alors, nous avons un autre par ici qui dit nous comme ça que two quantities are said. Two quantities are said to be inversely proportional if when one quantity increases, the other quantity decreases at the same rate. You also had a similar note. Vous tenez un autre pareil pour pareil, comme vous dites un autre pour direct proportion. Simplement, quand c'était pour direct proportion, note là, tu peux dire nous comme ça. Quand n l'a augmenté, l'autre l'a aussi augmenté. Alors, tout le temps quand one quantity increases and the next quantity is also increasing, this is an example of direct proportion. Now, for those of you who seem it as complicated, nous mettons quelque chose qui est bien, bien simple. Par exemple, voilà, nous prenons deux variables. One is chocolate and one is the amount you will pay for the chocolate. Plus vous augmente le nombre de chocolats. Alors, the higher will be the amount of chocolate. Alors, more expensive it will be. Ça veut dire quand vous augmentez le nombre de chocolats, alors ce qui peut arriver, alors le montant qui m'a besoin, payer à la caisse aussi, il peut augmenter. Si vous diminuez le nombre de chocolats, alors voilà, mon montant qui m'a besoin, payer à la caisse, alors il peut toujours diminuer. Mais par contre, nous avons une situation comme quoi, quand un augmenté, l'autre côté il baisse. Nous prenons ça par exemple. Si vous dites comme ça que, let us take for example speed and distance. Fais comment dire, alors dans une propre voiture, et que voilà, you're speeding up. You're speeding up. Ça veut dire plus vous pouvez augmenter la vitesse. Plus vous pouvez augmenter la vitesse. Nous causions d'aime le temps. Plus vous augmentez la vitesse. What is going to happen to time? Est-ce que vous prenez plus beaucoup de temps pour arriver dans ma destination? Non, plus vous augmentez la vitesse, alors si beaucoup de moins, alors moins de temps pour me capable de rendre ma destination. Vous pouvez bien saisir, ça veut dire là en d'autres mots, ça c'est pas une question de direct proportion. This is an example on inverse proportion. Parce que pour l'examen, il n'est pas pour venir avec un subtitle, il est pour venir dire comme ça que this one is inverse, this one is direct. So you should always observe your two variables and then think over it. If when you increase one quantity, the next one is decreasing, then it is definitely inverse proportion. For example, let us have a look at example 3. Les Bédiens, 8 men can build a wall in 12 days. 8 men can build a wall in 12 days. Let us forget about the question and analyze only part of this context. 8 men, so the variables of men, can build a wall in 12 days. So the next variable is the number of days it's going to cost to build that wall. Allez, diamant, zot, même logiquement. Plus nous mettons beaucoup de monde travail ou un senti. Plus nous mettons beaucoup de monde travail. What is going to happen to the workload? Plus vous mettez plus beaucoup de monde travail, obviously the amount of time taken to do one single thing is going to decrease. Par exemple, voilà, si vous dites 10 monde, il peut prendre 10 jours. Si 10 monde, il peut prendre 10 jours. Mais à si vous mettez 100 monde, est-ce qu'ils vous prennent toujours 10 jours? Non, ils vous prennent définitivement moins. Ça veut dire que vous augmentez la quantité de personnes. Alors, the amount of time is definitely decreasing. The number of days is decreasing to complete the work. Alors, quand N peut augmenter et l'autre côté peut diminuer, so you know that this gets to an example of inverse proportion. Maintenant, voilà. Alors, quand vous montrez autre écrit aussi, quand nous get nous parti A, how long would it take 12 men to build the wall? Comment vous expliquez autre pour ça mal parti là? Comment vous expliquez zot? Alors, pour ça, man, là, let us have a look at it. L'indienne, comme ça, how long would it take 12 men? Alors, pour 12 personnes, combien est-ce que ça coûtera? Comment vous expliquez zot dans direct proportion? Direct proportion, qui m'a expliqué? Dans direct proportion, me disais zot, tout le temps, the information given, what is given? What is given as information should be always put, should always be put on the left. Get par exemple, comment ça n'a là, l'indien nous comme ça, how long would it take, etc, etc. But what is information given over here? Information given over here is 12 men. Now, basically, we do not care about the 12 men. We care about information is given in terms of what? Information is given in terms of 12 men. So information is given in terms of men.
Pourquoi est-ce que moi je vais mettre autant beaucoup l'emphase dedans? Parce que quand moi tu fais le direct proportion aussi, moi tu expliques la même chose. Alors, ce qui me dit à vous autres, alors tout le temps d'information given should always be put on the left. So basically over here as information, you have 12 men. If you have 12 men as information, it means that we have men as information. If you have men as information, make sure then that you put men on the left. So évidemment, put men on the left comme ça. From the original information, you put men on the left. Let us have a look at it. L'indiamo comme ça, 8 men. Alors comme exemple 3, l'indiamo comme ça que 8 men can build the wall in how many days? In 12 days. So 8 men can build the wall in 12 days. Information is given in terms of men for part A. On peut commencer avec la partie A. Pour la partie A, l'indiamo comme ça que 12 men par ici. Alors comment l'indiamo 12 men? Quand on trouve 12 men dans la question, make sure that men is put on the left from the original information. Get par contre comment la partie B. Get la partie B là. Get son mot même lié là. Son mot même lié là. Me trouver que in a 16 days. Mon pas le même lié question là. Ou la partie B. Mon pas le même lié là. Me trouver in a 16 days. Moi me trouver in a 16 days. The moment that you see that information is given in terms of days, je prends sa information originale là. Je prends information originale. Then you put days on the left. Je peux bien saisir là. Get comment ici? Qui fait mon bot men du côté gauche? Parce que pour la partie A, l'une de moi information était men, so men should be on the left. Mais par contre, pour la partie B, l'une de moi information en termes 16 days, ça veut dire l'information, l'une en termes de days, then from the original information, make sure that days is put on the left. You will never make a mistake when you do it like this. So information is given in terms of days, alors we put days on the left from the original context. Ça veut dire pour la partie B, en d'autres mots, même affaire là, la même chose qui n'écrit ici, moi vous pouvez réécrire dans cette façon là. Vous pouvez écrire comme 12 days qui pour vos 8. Vous pouvez écrire comme 12 days qui pour vos 8 men, parce que now the given information is in terms of days, so days should be put on the left. From the original. Now you can start it. Allez. Pour la partie A, 8 men peut dire 12 days. Get bien là, 8 men 12 days. But how much is it going to cost? Si vous mettez un seul 10 moun. Get bien. 8 10 moun peut prendre 2 jours. 8 10 moun peut dire qu'il vous prend 2 jours pour faire travail là. 8 10 moun pour faire travail là dans 2 jours. Mais si vous mettez un seul 10 moun, est-ce qu'il est capable de 12 divisé par 8? It won't make sense. C'est comme ça dans tout. Dans toute bonne place que nous la construction, nous pouvons mettre un seul 10 moun travail. Je peux saisir là. Si 8 10 moun peut être 12 jours. Mais ça veut dire si un seul 10 moun bien fait travail là. Si un seul 10 moun a le terrain. Ça veut dire un 10 moun là, il bien fait sa travail 8 10 moun là. Ça veut dire ce travail pouvait 8 fois plus beaucoup. Alors si pouvait 12 fois 8, il pouvait 96. Ça veut dire une personne pour prendre 96 jours. Ça veut dire ici là vous avez gain N, il n'est pas commandé à arrêt proportion. Quand je fais rôle N chocolat, je peux prendre mon temps pour la quantité, divise pour la quantité. Mais ici c'est le contraire. Quand c'est inverse proportion, tout le temps quand on roule for one unit. For inverse proportion, whenever you're looking for one unit, you have to go through multiplication and not division. Et là voilà, il peut dire nous comme ça pour 12 men. Alors, pour 12 men, qui peut arriver là? Pour 12 men, une personne pour prendre 96 jours. Alors, pour 12 personnes, il pouvait 96 divisé par 12. So, once again, have a look at this one. Get bien ici. Qui se fait faire dans direct proportion at this stage? Quand je fais faire direct proportion at this stage, tout le temps, je fais faire multiplication. Là, il est contraire. Là, il est une division. Mais pas prendre l'hypoké, il y a bien. Un 10 moun peut prendre 96 jours. Mais 12 personnes, il définitivement les pour prendre 96 divisé par 12. Alors cela vous donne combien? Alors cela vous donne 8. Alors cela vous donne 8 days. Ok, so far it's fine for all of you. Mais par contre, moi, j'ai un petit coup de pouce en là. Allez, 12 days, mais il y a nous 8 men.
Vous êtes tout d'accord? Si je augmente la quantité de jours, ça veut dire en d'autres mots, et définitivement, je vais avoir moins de personnes. Si je donne, si je commence à 10 personnes pour travailler, je vais dire aux autres comme ça, je vais donner aux autres plus beaucoup de jours. Mais moi, je vais avoir même 10 personnes, je vais avoir plus de 10 personnes. Je peux saisir là, ça veut dire en d'autres mots, il peut refléter nature. Alors, pour tomber dans ce data, l'inverse proportion, c'est ça qui est plus important là. Est-ce que je suis tout d'accord qu'il y a une inverse proportion? Oui, parce que si je baisse la quantité de jours, je vais pas augmenter la quantité de travailleurs, mais tout le temps, quand je augmente N, l'autre côté bien baisser, ou soit quand je baisse N côté, l'autre côté bien augmenter, tout le temps c'est N, tout le temps il peut être N, l'exemple de inverse proportion. So what is it going to be for one day? Si mon envie fait travail là dans un 16 jours, get bien, 12 jours, écoute-moi, 8 dimoun. 12 jours, écoute-moi, 8 dimoun. Alors, si mon envie fait travail là dans un 16 jours, mon envie termine travail là dans un 16 jours, mais mon besoin définitivement, voilà, 12 fois plus de, mon besoin 12 fois plus de travailleurs qui me donne 96 par ici. So this is for one day. Maintenant, mon diazoun comme ça, si mon pour prendre 5 jours, si moi vous prends 5 jours, ça va être quoi? Venez pour 96 divisé par. Venez pour 96 divisé par 16, y'a là. Vous pouvez bien saisir par ici là. Oui, ça veut dire tout le temps qu'on roule pour 1 unité. Quand c'est inverse proportion, nous roule pour 1 unité. Alors tout le temps nous fois. Mais quand nous roule pour une quantité ici, quand nous finissons pour 1, là nous parfois, quand on roule pour 16 là, from 1. Dans direct proportion, c'est ce que tu peux faire. Si vous dites un chocolat 96 roupies, 16 chocolat 96 fois 16. Ici non, ici c'est une bonne proportion. Les pouvez 96 divisé par 16. Ça veut dire tout bon step ça, il est contraire de direct proportion. Alors cela vous donne 6. Alors cela vous donne 6 personnes. Really easy topic over here for this one.